tout fait partie d'un coup. Personne ne l'avait anticipé. Ça s'est passé dans une ruelle à 2-3 mètres de ton palier. Une histoire de rancœur que personne n'arrive à gérer. Ça fait un moment que c'est comme ça que la violence est m'a parlé. Il faisait rien par jouer, mais pour eux c'était déjà trop. Je sais pas vraiment ce qu'il a manqué pour sortir vivant de cette allée. Au moment de cette allée, l'angoisse a pris un sale écho. Ça devait pas finir comme ça, allongé à même le pavé. Faut retracer les faits pour en saisir la trajectoire. Non, y a pas grand chose à dire à part quelques brèves de comptoir. Mes aventures à l'ancienne, comme une intrigue de film d'auteur. Paiement non effectué, un revers pour laver l'honneur. C'est sûrement pour ça que dans cette rue, la police est intervenue. Altercation, mauvaise parole, c'est là que le coup serait parti. Une balle qui a joué hors jeu pour se loger au bout de l'avenue. Dans le crâne de ce gosse de 10 ans, un ballon de foot comme seul. Fusil. Le coup de feu est parti d'un coup, personne ne l'avait anticipé. Le coup de feu est parti d'un coup. Le coup de feu est parti d'un coup, personne ne l'avait anticipé. Le coup de feu est parti d'un coup. Ça devait pas se passer comme ça, mais parfois on contrôle pas tout. Ça va sûrement laisser des coups et quelques images dans la tête. C'est pas dans la normalité, c'est encore assez tabou. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est bien normal de participer à la fête. Ce soir-là, il y avait un peu de tout, je te fais pas un dessin non plus. De quoi se sentir bien vivant, parfois plus mort que prévu. C'est jamais bon de gamberger, même si ça passe inaperçu dans ces soirées sans limite où personne n'a jamais rien vu. C'était à cause de la musique, c'est ce qui s'est dit en premier lieu. Des sonorités amnésiques, des notes qu'un vos créés Dieu. Des messages qui passent par là, des voix qui ne valent pas mieux. Ça finira dans un fracas, une balle entre les deux yeux. Le gars qui empoignait le fusil planqué dans l'armoire du padré, paraît qu'il entendait des gens dans sa tête depuis des années. Est-ce qu'ils ont parlé ce soir-là? On continue de s'interroger sur ce coup de feu parti d'un coup, quand l'arme sur lui s'est retournée. Le coup de feu est parti d'un coup, personne ne l'avait anticipé. Le coup de feu est parti d'un coup. Le coup de feu est parti d'un coup, personne ne l'avait anticipé. Le coup de feu est parti d'un coup. Le silence est pesant, comme le calme après la tempête, il est presque apaisant. Au fond, t'es celui de la quête, les mots sont absents. Les noms disent sont devenus prophètes au sol, cette mare de sang. Les comptes en plus en punaise, ça parle d'amour, dépendance, de liens affectifs corrompus, de trahison, d'errance, d'argent volé, d'esprit tordu, de maltraitance, d'internement, de chute qui vous laisse à la rue, d'état de manque, de pure violence, de vie brisée par la bulle. Y'a toujours cette fois de trop qui met souvent un terme à tout. Apparemment, c'est aujourd'hui que le coup de feu est parti d'un coup, les mains tremblantes sur la crotte, l'arme de service de son mari. Elle a tiré sans hésiter sur cet homme qui lui doit la vie, le désespoir, la folie. Personne pour délivrer du drame, le corps rongé par le mal, l'héroïne, la peau et les os, la violence devenue banale. Parce que la cam appelle la cam. Ce soir elle a tiré sur son fils. Fin de l'histoire, chapitre clos.